Salut tout le monde, voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo vlog sur une session foil. Sur place, on n'a pas du tout eu le temps de filmer pour pouvoir présenter la session. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma chambre, tout simplement. Je vais pouvoir bien introduire cette vidéo comme il faut. Pour commencer, on était à Ardelot. On avait du vent nord-nord-ouest, 9 à 12 nœuds je dirais, donc ça faisait du side tribord là-bas. Et puis on avait aussi la marée qui était descendante, donc le vent et le courant étaient dans le même sens, ce qui était quand même assez important pour cette session là parce que j'ai eu besoin de remonter au vent assez souvent pour pouvoir me retrouver en face de là où j'étais partie. Alors du coup, niveau foil, j'avais le starboard, on avait associé le mât carbone de 95 avec le fuselage de 75 qui était en aluminium, et puis les ailes c'était les 330 et les 800 cm². Après, niveau board, on avait la Isonic 117, et puis pour ce qui est de la voile, j'avais la 78 Mach 2. Alors je préfère préciser tout de suite, le niveau ne vole pas haut parce que ça fait au moins un an que j'avais pas refait de foil. De base, j'avais pas un niveau extra, mais les images que Mathis a tournées en drone étaient tellement excellentes que j'étais obligée de faire une vidéo. Donc ce qui va être drôle, c'est que je vais montrer les différentes partie, on va dire, de cette session. En fait, tout d'abord, le premier côté où c'est tout beau, j'arrive à foiler, il y a les images de ouf, tout ça. Et puis ensuite, il y a forcément les chutes. Donc ne quittez surtout pas la vidéo en cours. Vous allez voir, la fin, elle est aussi pas mal drôle. Allez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. À tout à l'heure. I am lost.